C'est le jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, je tourne la vidéo juste après celle d'hier. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, regardez là. Voilà. Donc, nouvel épisode des clubs français en Coupe d'Europe sur FIFA. Aujourd'hui, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Si vous suivez ce match, c'est actuellement la mi-temps. Et pendant ce petit quart d'heure de pause, le match doit être, à mon avis, très tendu. Supporters parisiens, supporters madrilènes, supporters du football, supporters des clubs français, peu importe. Ça doit être très tendu. Et donc, faire une petite pause divertissante avec le même match sur FIFA. Donc, je vous rappelle que à chaque fois, je joue les clubs français. Donc là, je vais jouer le PSG. Hier, j'ai joué Lille. Demain, en Europa League, je jouerai Rennes et Saint-Etienne. Je jouerai Lyon au prochain match. Je ne les ai pas joués là parce que le Zénith n'est pas dans FIFA, voilà. Donc, c'est parti pour cette rencontre, bien sûr. Bien sûr, n'oublie pas. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Merci de suivre ce match avec nous. Première journée. Paris Saint-Germain, Real Madrid, donc. Alors, au niveau des compositions d'équipe, j'essaie d'être réaliste. Les blessures d'Mbappé et Cavani, c'est en train de s'améliorer à l'heure où je tourne. Donc, j'ai mis qu'il pourrait jouer contre le Real. Neymar est suspendu, donc je ne l'ai pas mis dans l'équipe. Pareil du côté Real, Sergio Ramos est suspendu. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il avait fait exprès de se prendre un jaune pour, contre l'Ajax pour pas jouer le match retour et donc ne pas être suspendu pour les quarts, voilà. Donc pareil, je l'ai enlevé de l'équipe aussi. Paris Saint-Germain, Real Madrid, donc. Premier match de poule de la Ligue des Champions et match déjà décisif. Et là, le centre. Ah non, j'y ai cru au but sur engagement. J'y ai cru au but sur engagement, mais non. Je vais me prendre un but sur le contre après l'engagement. Forcément. Comme dans toute bonne vidéo FIFA qui se respecte, je me prends un but dans les 5 premières minutes. Eh ben non. Pour une fois, non. Que je sois quand même concentré. Oh oui, la récupération. Le décalage pour Draxler. Oh, la frappe. Et le but. 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 Pour le Reims, pour le Paris Saint-Germain. But de Angel. 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 Et ben maintenant, je vais bétonner. Mais je ne comprendrai jamais FIFA. Ce que j'ai fait hier. Ce que j'ai fait hier, j'ai. Enfin, tout à l'heure pour moi, hier pour vous. J'ai perdu avec Lille contre l'Ajax. Et là, je mets un but avec le PSG contre le Real d'entrée de jeu. Et ça me paraît largement plus simple. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas changé de niveau pour autant. Je ne comprendrai jamais ce jeu. On frappe de loin, non? Il garde le ballon. Pour le transmettre. Le centre. Ah, j'ai. Mais déjà, là, je sens. Tu vois, dans le match. Enfin, vous voyez plutôt. Dans le match d'avant. Dans le match d'hier. J'avais la sensation que je pouvais rien faire, quoi qu'il se passe. Alors que là, je peux quand même à peu près jouer comme je vais. Bon, je rate des trucs, normal. Mais je sens que j'arrive à jouer. J'arrive à jouer quand même. Au final, peut-être la qualité de l'équipe que tu joues, ça influe. Je sais pas, non. Oh putain. J'arrive à jouer, j'arrive à jouer, j'arrive à jouer. J'arrive à jouer. Le karma.
Au moment où je dis que j'y arrive, bah, il se passe ça. Le karma. Oh! Oh non, j'ai cru au doublé d'entrée du mariage, j'y ai cru. Thiago Silva qui arrive à récupérer ce ballon. Non, non, c'est pour la fou. Et moi, j'ai un jeu rapide, j'arrive pas à faire, bah, un peu comme ce que fait le PSG en vrai, c'est-à-dire à faire tourner, à se poser, à poser leur jeu tranquillement, trop tranquillement. Ça endort tout le monde, souvent. Ou ils font des passes comme ça, enfin, de longues séquences de possession. Merde, le ballon n'est pas sorti. Font des longues séquences de possession avant de déclencher une attaque. Et voilà, putain, j'avais. Je pensais que le ballon allait sortir, je me suis pas pressée dessus et voilà. N'arrive pas à faire ça, moi je joue direct. Oh, Cavani il va s'infiltrer maintenant. Oh non, mais toi. Bon, c'est quand même mérité qu'il y ait. Comment je suis mauvais. Non. Allez, Kylian Mbappé. Pourquoi il est à gauche? Ou au Cavani? Mbappé? Oui, ça va arriver jusqu'à Courtois. Non, 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 mais je suis mauvais. Allez. Mbappé! Oh non, j'y ai cru, je me suis dit, bon voilà, ça va remplir ma malédiction. Bah, non, c'est pas dedans. Oh, et puis c'est même pas arrêté, voilà, c'est juste que j'ai tiré dans le petit filet en fait. J'ai fait la passe, ça fait quoi? Je sais pas. 77e. Oh là 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 là, non. Je vais me prendre un truc sur la meunière, il est dans l'axe. Qu'est-ce qu'ils font dans l'axe? Lui, il s'en va, oui. Oh, c'est pas dedans! Oh, j'ai cru que c'était dedans. Oh. Voilà, j'ai fait n'importe quoi avec Navas. Heureusement qu'ils n'ont pas marqué. J'ai vraiment de la chance. Mais ça, c'est bien, je garde le ballon.
Mbappé, tu prends de vitesse, tu reviens. Bernat, non, j'ai mal joué, mais je suis... Je m'énerve. Un point. Si vous vous trouvez nul à FIFA, faites un match contre moi, ça ira mieux après. Vous vous sentirez largement meilleur. Allez, hop, 3-1. Ah non, corner. Bon, on a perdu, c'est sûr déjà. Et il va siffler de toute façon. Donc. Aïe. Encore une défaite d'un but. Encore une défaite d'un but. Voilà. J'ai perdu hier avec Lille d'un but. Là, je perds avec le PSG d'un but, alors que je gagnais 1-0 en plus. Ah, le problème, en fait, c'est que... J'essaye d'animer la vidéo en même temps, mais j'arrive pas à faire les deux en même temps, c'est-à-dire à jouer, à parler, tout ça, parce que s'il y a juste une vidéo où je suis en train de jouer et où je parle quasiment pas, ça n'a pas d'intérêt. Je pense par exemple à la vidéo du match retour Francfort-Strasbourg où ça devait être chiant à regarder, à mon avis, j'ai pas énormément parlé. Je crois d'ailleurs qu'elle a fait à peine 10 minutes, mais je pense que les vidéos font en général à peine 10 minutes. Déjà, elles font pas plus d'un quart d'heure, c'est sûr. Bref, c'est la fin de cette vidéo, donc. Deuxième défaite avec deux clubs différents. J'espère que demain en Europa League. Donc demain, il y aura deux vidéos. Il y a Rennes Celtic à 18h55, donc je vais mettre la vidéo vers entre 19h30 et 19h45. Le mi-temps, c'est à 40, mais je ne sais pas si je peux publier à 40, donc je vais voir quand est-ce que j'ai à mettre. Et ensuite, la Gantoise Saint-Étienne. La Gantoise Saint-Étienne, c'est à 21h en vrai, donc bah, la vidéo, ça, ce sera à 21h45. Bref, c'est la fin. Merci, Guillaume, je vous dis salut à tous. Bye!